on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est une vidéo un peu annonce de la chaîne et quelques, on va dire, excuses car je n'ai pas été très très actif ces deux derniers mois. La dernière vidéo datait d'il y a un mois je crois. Donc pourtant j'avais l'envie de faire des vidéos. J'avais même tourné deux vidéos. Donc voilà. Donc c'était une vidéo sur GTA 5. Et une autre vidéo, c'était sur PS Vita avec mes amis sur le mode zombie que j'ai créé sur Minecraft PS Vita. Donc voilà. Donc là, je vais vous annoncer une nouvelle qui va vous faire. Donc, j'ai autre chose à vous dire avant. Donc je vous remercie pour ma dernière vidéo. Excusez-moi, qui est sorti hier. Vous avez été très actif dessus, hein, mais pas un jour, j'ai déjà eu 13 vues et 3 j'aime. Alors que je n'ai que 46 abonnés. Vous n'avez pas invité à mettre un pouce vert, je vous avais pas dit de mettre un commentaire, ni de vous abonner, mais bon, c'est pas grave, j'avais fait un petit geste comme ça pour vous dire salut. Donc voilà, donc maintenant on va passer aux choses sérieuses, au bout de 1 minute 30 de vidéo. Donc. Vous aurez du contenu sur GTA 5 prochainement sur le DLC Love Rider de mon véhicule parce que bon, je suis pas très riche. Hein, voilà, donc de mon véhicule Love Rider. Et vous aurez des gameplays sur Call of Duty Black Ops 3, principalement à Line K47-77, je sais pas comment ça s'appelle déjà, l'arme de base de Call of Duty Black Ops 3. Donc du contenu sur Black Ops 3, BO3 et sur GTA 5, je pense que ça va vous faire très plaisir. Et peut-être sur PS Vita, mais je pense surtout faire du contenu sur Xbox One, comme vous pouvez le voir. J'ai changé de console et je suis très content pour vous ayez de la meilleure qualité. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo unboxing, je vous invite à le faire. Je vous présente le pack Hardened Edition de Black Ops 3. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. N'hésitez pas à aller sur ma chaîne pour regarder régulièrement donc les vidéos que je vais sortir. Donc elles vont commencer à sortir, on va dire. Donc je vais être très très actif. Donc je vous l'ai pas dit, là en ce moment je peux pas être très actif, hein. Je vais en décevoir quelques-uns. Je peux toujours pas être très actif parce que c'est la rentrée. Donc voilà, je vais pouvoir faire des vidéos pendant la avant Noël. Je vais être voilà. Donc à partir des vacances de Noël, voilà, je vais être très actif. Je vais pouvoir faire des vidéos de qualité sur Black Ops 3 et GTA 5 à partir des vacances de Noël. Le premier jour des vacances de Noël, je vais pouvoir vous faire du contenu et tout ce que vous voulez. Dites-moi dans les commentaires ce que vous voulez. Des courses what the fuck, des affrontements, des exterminations, les nouvelles missions. Donc là je parle sur GTA 5, si vous voulez plutôt du carnage dans la ville ou du jeu en solo, je peux vous faire des missions, mais je pense que vous préférez le multi. Vous voulez que je fasse des événements mode libre parce que je me suis mis il y a pas longtemps. Donc voilà, donc ça c'était pour GTA 5 et maintenant pour Black Ops 3. Donc dites-moi si vous voulez plutôt du jeu d'armes, du jeu 1 contre 1 au sniper, découverte de map, ou des vidéos en solo, ou même si vous voulez je peux faire tout simplement des games 100% Nuketown, ça pourrait faire une série, des games en mêlée générale ou même de domination, ou le nouveau mode avec le robot qui court qu'on doit protéger ou attaquer. Donc ça c'est à vous de me dire dans les commentaires, et si je ne reçois pas beaucoup de commentaires, j'essaierai de voir, hein, de ce qui me donne le plus envie de faire. Donc c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, bye bye.